qui est, mais qui est qui t'a venu chercher, ou bien DCPJ tout. Mais dans le rapport de la DCPJ, il n'y a pas dit qui est. Mais seulement bon on information, puisque en pile dans nous t'a demandé, est-ce que vous coupez visa, monsieur? Est-ce que vous allez évoquer, monsieur? Est-ce que. Bon, je dis ça qui passe dans le palais, mon tise. Je connais des gens qui vont prendre, qui vont laguer lui, et qui vont faire quoi avec elle, pas un problème. Et métronome, bah, il est bon. Bah, je connais. Métronome, parce que mes aldiens qui ont coupé visa, monsieur, c'est métronome qui dit, et bah, je connais. Mais ça crive, monsieur, dans le palais. Bon, ça crive, bientôt dans le palais. Et c'est là que je viens de comprendre certaines choses. Ça, c'est une guerre. Pendant Beto bralé dans le palais, dans le conseil des ministres, est-ce que les Beto arrivé deux fois par le national, ils ont bloqué? Les policiers ont bloqué, monsieur? Les monsieur dit policier, c'est le ministre de la justice. Et puis, agent dit, monsieur. Et puis, il a dit, ministre qui ça, qui met l'aime? Et ça, il a dit, mais interprétez les pas. Et pas ça, monsieur dit non. L'elfine dit, c'est ministre de la justice. Monsieur dit, et puis. OK? Monsieur dit, et puis. D'accord? Kounya, l'em di, si vous bloquez ministre, ça a un problème. Ça vient de passer après. On souscrit qui dit que le ministre relé, le directeur général de la police, pour le dire, il ne pas comprendre. Finalement, c'est PM qui est intervenu. Et PM, selon Mounio, PM n'a déjà pas de compte en sa fête là, mais si c'est dans le palais la rentrée. Et par les dirigés par le secrétaire général, Josué Pierre, lui, est-ce que ça t'a dit? On torche un kabouy entre José Pierre lui et Bertou Dorsey. Ça, c'est un dossier pour nous suivre tout. C'est intéressant. Mais en ce qui a trait, est-ce que vous révoquez, monsieur? Non, monsieur pas révoqué. Est-ce que monsieur, dans la question trafic ZAM ou bien trafic munitions, dans le rapport de CPJ, le rapport selon la DCPJ, c'est un rapport partiel. Dans le rapport partiel, ça, son nom n'est pas figuré comme accusé ou bien comme témoin du tout. Selon, m'a cité selon rapport. OK? Selon rapport. Mais, moi, d'où, mercredi, pendant M. Gouadan, Conseil des ministres, dans le palais national, il a été bloqué, monsieur. Ça, c'est l'information que vous avez. Et l'organ, ça, vous êtes à l'aise. Conscience ou clair, comme si vous n'avez aucun problème. Est-ce que des CPJ ont l'autre rapport? Est-ce que le commissaire Virgile cite nos monsieur? Non. Est-ce que. Et Robinson cite nos monsieur, jusqu'à preuve du contraire, Robinson n'a pas cité nous, puisqu'il a pris un rapport. Mais même sous fond de son petit travail, un petit travail de méthode pour nous faire. Parce que moi, je t'ai conseillé nous, pas comme pas dit bagaille nous pas connaître. Moi, je connais ça, je dis à là, il est difficile en pile pour des gens accepter les boules. OK? Il est difficile en pile. Mais. Ou est le par exemple ou dit bagarre ou connaît ou à l'aise ou bon capacité. Mais ça fait, il y a des gens qui disent mon cher ou crédible. Oui, justement. La crédibilité, c'est tout un gourmet pour faire. Quand il y a, dans même rubrique Beto, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Parce que forme de semaine, ça, il y a un Beto en pile. Il y a des gens qui disent monsieur Sonek, il est dans la drogue. Mes nouvelles. Moi, j'aime bien les nouvelles. Effectivement, pendant Beto, tu juge de paix, Miragouane, il y a une drogue qui est tombée dans la zone. Et la drogue s'est séparée en tant que commissariat. Nous sommes en 1997. Tiens, monsieur, comment vous comprenez ça? Une cocaïne a séparé en tant que commissariat et il dit Beto, mais pour là. Et? Drogue la séparée en dans commissariat et au dit Beto mon chemin drogue pour. D'accord, yo dit Beto mais drogue pour. Kounya. Mais comme yo t'ai arrêté Beto parce que t'es gain gros suspicion sur question ça, DCPJ t'ai voulu t'en démissionner. Deux inspecteurs DCPJ monté dans commissariat de Pétionville al t'en démissionner pour que ça monsieur t'ai arrêté monsieur. Je vais citer exactement ça, Beto dit dans le rapport de CPJ. Effectivement, la drogue a été séparée. Je ne vais pas dire ça, je vais vous poser une question, monsieur. Plus qu'une vingtaine de questions. Je dis, monsieur, la drogue a été séparée. Est-ce que vous avez constaté la séparée? Monsieur dit, oui, je dis, oui, la drogue a été séparée.
ou même comme juge de paix qui ont fait pas arrêter nèg monsieur dit oh pour toute police ça va gros âme nan mais on va l'arrêter nèg qui on va le faire là tandis que commissaire la police là séparer drogue et puis on dit monsieur côte drogue pour là côte ça était bon là monsieur répond comme ça il n'a pas cité moi t'ai sorti à joindre journaliste qui était dehors et tout le monde t'a comment constater même pas de gagner kounya est-ce que bête ban on est kembel pour lui à serrer pour moi parce que journaliste sans patente dans commissariat bien sûr. Journaliste n'a pas dans le commissariat, mais monsieur expliqué effectivement la drogue est séparée et négocié proposé pour le bam pam. Quand y a un par exemple qui peut-être pas une dimension pour le commun, oh, on juge le policier, bon, mais pas oublier qui est-ce qui peut arrêter le policier. Et pas juste la arrêter, son policier pour arrêter. Mais tout le policier est séparé pour le cocaïne. Mais il faut me dire que je promets que bientôt nous avons un dossier sur la question ça. Et comme du rapport de CPJ, il est disponible, nous allons regarder. Si nous voulons toujours afficher tout sur la page, là, ça permet que nous ayons plus d'idées, plus d'informations sur ça. Mais sur question, est-ce que monsieur T est dans le drogue? Et sans information, c'est que T a gagné cocaïne qui était débarqué pour lui, et séparation est faite en dedans commissariat, et il a dit, monsieur, mais parle. Mais monsieur dit, monsieur dit dans le rapport, et bien moi je dis ça, dans le rapport, m'appelé, monsieur dit que les hôtes balles là, il n'y a pas de prendre. Ça, toujours dans le rapport. Mais j'espère bien, monsieur, bientôt, pour bah, Haïti, c'est vraiment un pays spécial. Et pourquoi ça dit hein? Et pour vivre en Haïti, il n'est pas facile pour joindre des gens honnêtes en Haïti. Il n'est pas facile. Mais je suis clair à vous. Ce n'est pas facile pour joindre des gens honnêtes en Haïti. Je vais vous un exemple simple. Il y a deux métiers que vous avez besoin de faire ou pas. Si vous avez besoin de riche, parlez là-dedans. Parlez comme policier, parlez comme professeur. Parlez comme juge. Juge, il y a un salaire qui fixe et juge pas dans le business. On nous dit comme ça. Mais c'est même de nous combien de juges qui ont un business, on a beaucoup de dire, mais juges qui ont une entreprise qui ont un business. Et ça va supposer fait. Et parler comme si nous avons comme policier. Policier a un salaire fixe. Et policier n'a pas un droit pour la poursuivre, pas cadeau, pas un ami, etc. Et il y a un droit mais parler comme journaliste, tout. Non. Journaliste, ça, c'est l'autre bagaille. D'ailleurs, je ne sais pas si il y a des pays où je regarde des journalistes, c'est des gens qui sont bien. Regardez nèg ki nan métier a ki bien. OK? D'accord? C'est des bougi. Mais gen des moun comme si gen des postes ou pas prend. Moi même gen deux bagages importants. Que m'a dit là parce que m'va faire un petit tourner là pour capable garder côté mieux là parce que ça au fond gen des côtés Haïti yo ka contrat tout nous va essayer garder. Gen deux bagages importants m'a dit nous avant aller. Et pays a son pays qui est extrêmement corrompu. Corruption en pile. Gédé moun jodi a critiqué ou 2009 elle vient en position elle fait plus mal parce que. C'est vrai. Même connaît ça. Pays a son pays grand pile gang la dan et gang en pile au niveau. Mais on pas cité nèg qui gang. Gédé nèg seule possibilité seule chance gagne pour faire l'argent c'est dans l'état. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Moi-même, je dis, pour le pays, il faut fonctionner bien, il faut dire la vérité, il faut dire des choses aux gens. Et le jour que Gabriel, tout le monde connaît, tout le monde comprend. Mais des fois, c'est corrompu justement qui met le game. Je prends un bon exemple. Je dis, qui ça fait pas qu'il y ait un mouvement en Haïti? Gros manifestation. Parce que, les collègues, ils sont confortables. Je dis, oh, d'accord, Dimitri n'a pas injecté aucun argent, non, là, je dis, pour capable de manifestation, non, il n'y a pas d'intérêt. Mais qui était de bon pouvoir, qui t'a pas mec de yo, il t'a pas injecté gros l'argent. C'est 14 millions de dollars qu'il a injecté pour te jeter Jovenel Moïse. 14 millions de dollars. J'ai appris ça récemment. Ça veut dire, je dis, toute situation difficile dans la vie, là, pas de monde qui a pu lever campé. Parce que les gens qui peuvent mettre moyen de yo.
extrêmement courte. Moi-même, je dis, je prends un paquet de bagages. Et je ne fais pas jouer de personne. Moun. Plus jamais, si je fais en 2014-2015, je ne fais pas jouer de personne. Etc. Moi, le beau, je m'ai parlé avec le directeur du BMPAD, Ignace Saint-Fleu. Je connais que c'est un dossier qui a fait après la une de l'actualité à travers le pays. C'est un dossier Zamna. Et d'après un journaliste qui est Giovanni Michel, qui a dit que il y a un agent de CTJ qui a parlé pour citer et non qui lui-même qui a travaillé. Et au niveau du dossier à la DCPJ, et bien dit que les armes et les munitions sont saisies dans le port de Péo, et bien ils se confient que la cargaison c'est pour mettre des taux d'offres, et bien ça lui-même les contraintes de DCPJ pour ne pas citer un pilon, et bien tandis que au niveau de DCPJ, et bien nous connaissons que c'est ça qui a prédominé l'actualité, et bien c'est le dossier des armes. Mais le dossier des armes, non, Jacques Nodioli, eh bien, il parlait que ces armes, c'est pour vos chefs, même y au niveau de et pouvoir. Eh bien, je veux dire maintenant, le ministre de la Justice lui-même qui a cité pour tout le que le ministre de la Justice, eh bien, en plus de monde, il n'est pas tellement ready. Eh bien, monsieur rentré dans le ministère, il a à peine 5 minutes après, il courait, il n'est pas arrêté encore. Eh bien, qu'est-ce qui a passé? Si que vous êtes au ministre de la Justice, eh bien, vous avez fait le travail, eh bien, vous avez supposé, Chitarabio, et le ministre, eh bien, d'après, information qu'il y a, c'est rentré dans le bureau, fait 5 minutes, et puis, et après ça, lui-même, yo, et pas, j'aime, et joignez-nous. On a toujours été dans le même cadre de dossier, ça, yo, et bien, trafic d'armes et de munitions, et bien, est-ce que le ministre d'Orsay lui-même, licencié innocent, et bien, c'est en pile question, en pile journaliste, en pile homme de loi, ou même, possible, et à poser, et question, et bien, dans le cadre de dossier, et quand ils ont ça, ils ont demandé est-ce que le ministre d'Orsay lui-même licencié est innocent. Eh bien, le ministre de Justice, là, que non, a cité, et je vous dis, eh bien, qui est-ce qui est autorité, et quand que au niveau de DCPJ qui refusait pour le publier non fameux dossier, ça, dans le cadre de saisie, cargaison d'armes et de munitions à port de paix, le ministre de Justice et de la Sécurité et publique, et mettre d'autres dossiers. Et est-il innocent dans ce dossier trempé, et bien jusqu'au coup, il y a un conseiller avec un autre cadre dans le ministère là, et bien est-ce que M. Salimène est censé innocent, et bien c'est Zamsa censé après la ligne de la charité au niveau du pays d'Haïti. Et bien, selon toute information qui est censée circuler, et bien au niveau du dossier ça, il y a un relevé téléphonique de Fritz Obo, Robinson Pierre-Louis et puis Michel Vigil, et bien prouvé que le dernier Sayo, M. Sayo, était en communication plusieurs fois, et bien à la veille, pour des jours de libération, deux personnes qui ont arrêté le cadre, saisi et munitions dans le port de paix. Et depuis, selon le rapport de CPJA, et bien trois hommes Sayo, ont été. Voilà, n'a pas avancé, mesdames, messieurs. Non, juste pas voulu aller trop vite, mesdames, messieurs. Pas voulu, il n'a pas parlé de cargaison d'armes, à munitions ça qui est en train dans le pays. Hein. Et au cas où il y a plusieurs noms qui ont cité. Et bon, il y a quelques monde, bon, nous parlons directement. Il y a quelques monde, pas de paix, nous parlons avec eux. Yo même, moun sa yo même, yo cité non et parrain directement avec Kiko Saint-Rémy. Ok? Mais pas oublier que même leur cité non parrain avec Kiko Saint-Rémy, c'est même entourage là, c'est même équipe et leur parle trop loin, c'est même équipe Dimitri Vobla, c'est même équipe là. Et puis leur parler de ministre justice, eh bien c'est automatiquement de Dimitri Vobla parler. C'est même bagaille là, mesdames et messieurs. Moi j'espère que nous soumets nous, moi j'espère que nous comprenons ça qu'a fait là. Je dis à là, j'en nous dis et Bradel, injustice ça, moi même pas d'accord, pas prendre. Moi pas prendre médias, journalistes et autorités, la police, monsieur, nous pas cap cacher info. Nous pas cap cacher info comme s'il y a protégé. Oui, nous tous ces autorités dans le gouvernement, et ces monde qui était là, ces monde qui a influence. Ok, nous connaissons. Bye noir. Même j'en ai affiché une équipe de voleurs dans la caméra. Affiché yo.
Et qui s'est attendu? Bon, pendant qu'on a parlé de ministre et justice, là, comment faire monsieur beaucoup démissionner toujours? Il a déjà démissionné. Il y a un pays sérieux, monsieur, ça, ça fait longtemps de démissionner. Et pendant qu'on a parlé là, Dimitri Vobla, lui-même, moun fou ça lui-même, pas de côté pour le mettre col là. Il n'y a pas de côté pour le mettre col. Monsieur, non, tête yo chaud là, frère. On avance, Pradel. Oui. Pas de côté pour le mettre col là. Si comme ça, on te fait dans le casino, pour qu'on paye, on gaspille dans le casino, mon cher, il y a privé sous quand même. Oui, et Pradel, nous t'avons dit l'ing, non? Oui, n'a pas continué le cadre d'information toujours, n'a pas d'après information qui sorti là, il y a un relevé téléphonique, et Fritz Obo, Robinson Pierre-Louis et Michel Vigil, ils ont prouvé que, et M. Sayo était en communication plusieurs fois, et à la veille, côté jour, il a d'après libéré deux personnes arrêtées dans le cadre saisie de munitions à port de peine. Et de plus, selon le rapport de CPJA, et bien toi, M. Sayo, Yoté en vous parler cette fois dans date 6 juillet et puis yoté en contact avec avocat Yoté Michel Blanc. Eh bien, c'est lui-même qui t'a écrit ensemble avec le commissaire du gouvernement Port-de-Pierre pour capable demander libérer et suspect ça yo. Eh bien, c'est un dossier qui s'est absent. La une de l'actualité, n'a toujours été le même cas de dossier, toujours bien porte-parole et police nationale, là, M. Gary Diozier, qui confirmait qu'une unité spécialisée de déployer dans Port-au-Prince avec Croix des Bouquets et dans l'optique pour capable de ramener la paix dans le pays. Il y a un véritable défi pour la police qui lui-même qui a prétendu équipement et qui était prometté par Dr. Ariel Henry. Nous connaissons que le premier ministre qui lui-même et qui était fait promesse. On a retourné le même cas de dossier autour d'un agent dans le DCPJ qui parlait pour le site énoncé qui a travaillé dans le cas de dossier d'armes et munitions qui est saisie dans le port de Péo et de lui confirmer que. Et Carison, lui-même, c'était pour mettre Berto Dossé, et bien, ça lui-même, il y a une contrainte. Et DCPJ, pour lui-même, il n'a pas cité un pile dans le monde, qui lui-même, qui n'a pas cité, et bien, dans le cadre de Carison et Zamtaïo. Mais Pradel, là, juste préciser pour nous, mesdames, messieurs, dans le cadre de Berto Dossé, ministre de Justice, là, et qu'on est nous au courant, mais ce n'est pas la première fois que non ministre de Justice a cité dans les affaires ZAM. Et nous, tout le temps, des fois, comme quoi, que le monsieur était déjà fait prison déjà. Donc, c'est un habitué, son doit être long, li kon habitué faire Jean de Bagay sa yo, c'est peut-être ça nous dit, sérieusement, et qui ça y aptan? Qui ça? Est-ce que, mesdames, mais est-ce que nous prenons conscience, yon ministre justice, mesdames, messieurs, eh bien, pour non la cité dans dimension ça, pour non la cité comme quoi c'est lui qui ta responsable, qui ta joint toute cargaison zam sa yo, munition sa yo, non la cité pendant ce temps, le y ap cherché l. Il a cherché monsieur avec baleine, il va pas venir. Monsieur dans ma rôle là. 2022 pour ministre de justice, eh bien non impliqué directement comme ça dans tout vieux dossier dans le pays. Mes amis, Haïti nous méritait mieux. Hein? Mais en même temps tout, l'on regarde qui est-ce qui soit disant premier ministre là, mais bagaille plus grave encore. Non premier ministre cité dans l'homme président de la République.